revenir. Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Cette semaine, est sûr, je suis épuisement du concept. Et monsieur, hein? On dirait que t'as l'épuisement de la babouche. Ah, j'ai la babouche pas mal babiche. Oui, t'as la babouche pas mal babiche. Ah, bah, t'as-tu remarqué ça? Ah, oui, t'as comme la phalange qui descend en bas de l'oreillette. Comment ça, tu décris ça comme ça? Là, Madame Tremblay va se faire un imaginaire des plus extravagants de pas grand-chose qui se passe sur mon mouchoir. Non, non. Mais non, mais vous êtes... Entre vous et moi. Oui. Entre moi et vous. Oui. Vous avez la mâchoire un peu molle. Oui, bien, c'est normal parce que j'ai la frénésie au bout du goulot. Oh, c'est ça que ça veut dire? Ben oui. C'est pour ça que j'ai la mâchoire un peu basse. Comment ça? Pour atteindre l'inaccessible goulot. Goulot. Ben, le goulot, tu sais, dans la vie, il faut du goulot. Pour vivre, pour faire vivre nos enfants, nos petits-enfants, nos femmes, nos maîtresses, nos petites maîtresses, nos jeunes maîtresses, nos très, très jeunes maîtresses. Alors, il faut du goulot. Ah, ben oui, ben, pas de goulot, pas d'extravagance. Hé, hey, t'as entièrement raison, toi, là. Moi, hey, pendant, j'ai commencé à avoir du goulot à 12 ans, moi. Ah, et puis, ben, à 14 ans, j'avais encore beaucoup plus de goulot. Puis après ça, à 17 ans, oh, j'avais du goulot. À 20 ans, oh, bon, j'appelle même bien. À 20 ans, là, c'était open goulot. Open goulot. Tous les goulots étaient à moi. Oh, comment tu dis open? Ouvert à moi, tous les goulots. Oh! Ça me fait penser à une phrase, ça, là. Laquelle? Non, c'est pas une chanson, c'est... non, c'était quoi? Tous les goulots. Oh, mon Dieu, tous les goulots du monde. Tous les goulots du monde à ses petites frais. Ah, puis là, après ça, là, à 40 ans, là, ben, je suis pas encore là. Comment ça? Ben, j'ai pas 40 ans. T'as pas 40 ans? J'ai pas 40 ans. Monsieur, on va te croire. On va te croire parce que t'as le goulot fragile. Ah, moi, regarde, j'ai le goulot qui lève. Tu me vois-tu? Regarde-moi ça. Ouais, tu devrais fermer le goulot. Ah, ouais. Mais je manque pas de goulot. Mais tant mieux. Cette semaine, je suis super. On peut-tu monter? Oui, monte. Monter. C'est ça. Cette semaine, on va-tu le dire? Là, on sait, c'est quand? C'est aujourd'hui, c'est cette semaine. Et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « boussole ». Eh, monsieur, boussole. Boussole. Arrête donc, toi, tu sens la boussole. Tu trouves que je... Oui, ben, t'as la boussole un peu proche de moi. Et puis? Ça me tournoie en arrière de la tête. Ça te tournoie en arrière de la tête. J'ai une tête. Ben, je suis pas certain, moi. T'as une tête. J'ai une tête. Une tête fromagée. Une tête de cochon. Oh, my... Ah, c'est ça, là, c'est vrai, t'as une tête de cochon. Une vraie grosse tête de cochon. On va te mettre une l'orange qui s'attribuera entre tes deux mâchoires parce que t'as une tête de... Une tête qui ne te revient pas? Ah, la tête me reviendra jamais. Je ne sais pas pourquoi. Moi, plus je te vois, plus je ne reviens pas. Ah, de quoi? Ben, de ton existence parmi nous. Ah, oh, non, non, moi, je me fais pas traîner par des chats. Comment ça? Je me fais pas traîner par des chats. Comment ça, par des chats? Ben oui, parmi nous. Rouen, minou. Rouen. Oh, mon, par des chats, minou. Il est coincé. Parmi nous. En parlant de Minou. Oui. Madame Minou. Madame Minou. Ah, oh, mon Dieu. Elle a un beau Minou, Madame Minou. Elle a un Minou incroyable. Mais c'est pas ça, c'est que... Imaginez-vous, plus que ça, là. Concentrez-vous. Non, j'ai pas dit d'aller... Non, concentrez-vous. Non, concentrez-vous, là, c'est silencieux, dans la tête, fermez les yeux, ouvrez l'imaginaire. Ah, mon Dieu. Est-ce que c'est assez ouvert? L'imaginaire. Non, ouvre le plus gros. Oh, est-ce que c'est assez ouvert? Quoi? L'imaginaire. Plus gros. Est-ce que c'est assez ouvert? Quoi? L'imaginaire. Oui, c'est assez ouvert, OK? OK.
relâche pas. OK. Je vais te rentrer une improvisation. Dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Ah, ça va faire mal. Non, 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 mais reste comme ça. OK. Alors donc, imagine-toi la boussole, OK? Elle est tellement rigolote, la boussole, qu'elle perd le nord. Et puis là, à un moment donné, le pianiste aveugle reste encore là. Oui! Le pianiste aveugle qui veut jouer sa partition ou en faculté affaiblie au niveau oculaire. Bien là, c'est la même affaire, mon Georges. Mon Georges, c'est un aveugle. Non, papa, non, on est en 2011. 2011. 2011. Oui, on est en 2011. On peut pas dire aveugle. On peut pas dire aveugle, non. On peut dire des facultés oculaires un peu plus faibles que la normale. Mais là, il voit rien. Il voit rien. C'est un ivoirien. Un ivoirien. Non, c'est il voit rien. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Bon, alors donc, c'est un être qui ne voit pas. OK. Et donc, qui joue du piano. Oh, comme Gershwin. Oui. Comme Patti LaBelle. Qui? Patti LaBelle. Elle joue de la guitare, elle. Ah, oh, mais en tout cas, Patti LaBelle. Patti LaBelle. Oh, mon Dieu. Patti LaBelle, il joue du marteau, lui. L'as-tu déjà entendu en spectacle de marteau, lui? Ah, bon, il en cogne des clous, lui, il s'endort, pong, pong, il cogne des clous, puis il cogne des clous, il cogne des clous. Après ça, là, quand il cogne plus de clous, on lui balance des pilules pour s'endormir, il cogne des clous. J'ai un spectacle de 2h30 à cogner des clous de même, c'est silencieux, mais c'est extraordinaire. Mais c'est pas lui qu'il s'agit, c'est d'un pianiste, disons Ray Charles. Oh, c'est pas la même chose, là. Ray Charles Reynald, non? Non, 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 c'est pas le même district, OK. C'est vrai que Ray Charles est anglophone et Reynald Gagné est francophone. Alors Ray Charles, l'anglophone, joue du piano, mais là, il doit jouer une partition qu'il connaît pas. Alors c'est écrit sur du braille. Tu parles trop vite, on comprend pas. OK. Ray Charles, piano. Partition, doit jouer une nouvelle partition, ne connaît pas le jeu pianistique. Donc, il doit lire sur quoi? Sur une partition. Sur une partition en braille, OK? Oui. Alors, t'es-tu encore? Oui, c'est bon! OK, reste l'imaginaire. OK! Au maximum. Et puis là, alors donc, il doit se souvenir. Alors, il doit lire la partition en braille et jouer du piano par la suite. Et lorsqu'il n'a plus de mémoire, hein, s'il n'a plus de mémoire, c'est pas lorsque... Ah, bon, tu l'as loupé! Non, je l'ai pas loupé. Je l'ai pas loupé. Moi, je loupe absolument rien. Moi, là, j'ai la loupe. Même Ray Charles, avec la loupe, il ne voit pas. Alors, il ne peut pas louper. Donc, il lit sa partition au braille. Il joue du piano. Mais s'il n'a pas de mémoire, notre Ray Charles national, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il n'a pas de mémoire et qu'il a lu sa partition de braille? Ben, il braille. Ben, c'est ça, il braille. OK, ferme ton imaginaire. CKRL, cultive tes goûts.